Bonjour chers téléspectateurs de Congo-Nair TV, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous servir, votre servante de tous les jours, Rachel Ndjondjo. Ça fait 7 mois, jour pour jour, depuis que l'ancien ministre de Transport, le porte-parole du parti Ensemble de Moïse Katumbi, a été assassiné. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est que, qu'en est-il avec les enquêtes? Ils ont-ils retrouvé l'assassin de Cherubin Okende? Suivez ces reportages et je vous retrouve tout juste après. Dans un document dévoilé, l'Union interparlementaire note avec préoccupation que depuis le meurtre de Cherubin Okende en juillet 2023 et depuis leur audition, les assurances données par les autorités parlementaires congolaises en octobre 2023, celles-ci n'ont toujours pas fourni le rapport d'enquête comme elles n'ont livré aucune information sur les progrès réalisés dans l'enquête sur le meurtre de Cherubin Okende ou sur toutes mesures sérieuses prises pour identifier les coupables dans cette affaire. Rappelons que Cherubin Okende a été assassiné le 13 juillet 2023. Cherubin Okende, parlementaire de l'opposition, ex-ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble pour la République dirigé par l'opposant et candidat à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi-Chapwe, a été retrouvé assassiné d'une balle dans la tête à l'intérieur de son véhicule qui avait été abandonné sur une route proche du centre-ville de Kinshasa. Cherubin Okende aurait disparu la veille de son assassinat. Le même jour, le